Tout le monde. Alors là, c'est un passage très intéressant. Les extraterrestres nordiques, qui sont-ils? La chanson, je vais tout vous lire. Hein. Il y a pas mal de choses à lire en plus. C'est vachement intéressant. En plus, j'ai encore deux vidéos de ce livre-là que j'ai pas balancé. Enfin, il me semble que c'est celui-là. Ouais, je crois. Je la balancerai plus tard. Je sais pas s'il y en a encore une autre. Je pense pas parce que bon. Alors, du livre, évidemment, nous serons toujours là, de Elena Danahan. Préface par Laura Enzauer. Rencontre avec Valtor et voyage au-delà de la Terre. J'espère qu'il n'y aura pas encore un flou, parce que par moment, c'est un peu spécial la caméra. Je sais pas ce qu'elle a. Ça va se remettre. Alors, le résumé quand même. Hein. Le nouveau livre d'Elena Danahan, Nous serons toujours là, jette une lumière indispensable sur les négociations diplomatiques entre le président Dwight Eisenhower et Valiantor, ambassadeur de la Fédération Galactique des Mondes entre 1958 et 1961. Aujourd'hui, nous disposons enfin d'un nouveau point de vue émanant également de Valiantor lui-même sur les négociations infructueuses qui ont été menées. Nous découvrons ces avertissements concernant les négociations avec une alliance de races prédatrices extraterrestres, la trahison d'Enzauer par le Majestic 12 qui a signé des accords secrets avec cette alliance exploiteuse. Et comment la Fédération Galactique a depuis lors atténué les effets de ces accords néfastes par de nombreuses actions secrètes visant à élever la conscience humaine et à déclencher un réveil planétaire, une lecture indispensable pour tous ceux qui veulent se préparer au changement planétaires considérables qui nous attendent. Michael Sala. Hein, ça nous change un peu de ce qu'on voit à la télé. Hein. Le nouveau Gabriel, je ne vais pas dire qui, c'est tellement intéressant. A de TAL. Bon. Sauvée par des extraterrestres alors qu'elle était enfant, Elena Danahan a gardé le contact avec eux toute sa vie et a écrit son histoire dans le best-seller Le Don des Étoiles. Bon, bref, c'est la télé, c'est puis de toute façon. Nous serons toujours là, décrit les contacts que l'auteur a eus avec le commandant Valiantor et ses voyages dans ce système solaire écrit à l'aube d'une ère nouvelle. Ce livre est un témoignage de la présence et du dévouement d'extraterrestres bienveillants qui protègent la Terre. Ce livre contient également des révélations sur le séjour de Valtor au Pentagone, sur sa relation avec Dwight Eisenhower, son séjour en Russie, l'arrière-plan politique impliquant des traités secrets avec l'Alliance des Gris d'Orion, et le complexe diplomatie si, alien humaine sous-jacente. Des détails étonnants, inconnus jusqu'à présent, sont révélés dans ce livre. Née en France, Elena Danahan a travaillé comme archéologue de terrain pendant 20 ans, principalement en Égypte. Équilibrant à la fois formation scientifique et capacité cognitive, Elena rencontre son honnêteté, pragmatisme et simplicité les incroyables aventures qu'elle a eu le privilège de vivre et de partager. Alors, autant commencer tout de suite, parce que ça va être assez long à lire, je pense. J'entends aussi beaucoup le dernier livre de David Rousseau, quatrième tome, qui va être extraordinaire aussi. Alors là, je pense que là, ça va être du très très bon aussi. Alors, les extraterrestres nordiques, qui sont-ils? Qui sont les différentes races extraterrestres que nous appelons sur Terre les nordiques? Et quels sont leurs objectifs? Nous les appelons ainsi parce qu'ils ressemblent aux Scandinaves, grands, blonds, à la peau claire, aux yeux bleus. Sauf que je suis pas blond, mais on était pas loin. Il y a beaucoup de confusion à leur sujet parce que ceux qui ont des expériences avec eux racontent des histoires divergentes, avec des contacts soit malheureux ou heureux. Comment cela se fait-il? La réponse est la suivante. Il en existe de nombreux types et ils suivent divers dessins.
Liées aux différents groupes, certaines de ces races blonds à l'apparence humanoïde sont impliquées dans des programmes malveillants qui ne servent pas bien de l'humanité. Ben oui, parce qu'il y en a aussi, hein, parce que c'est que des nordiques, voilà. Et il y a même des reptiliens, c'est l'inverse. Hein. Il y en a quand même qui sont positifs, c'est l'inverse, qui se détachent des groupes négatifs. Hein, bon. Il y en a quand même. Tandis que d'autres sont actifs dans des programmes bienveillants et protecteurs. Ben voilà. Il peut sembler difficile à première vue de les différencier et encore plus de deviner qui est pacifique et qui va vous amener des problèmes. Commençons par dire ceci, il y a globalement quelques groupes marquants que l'on peut identifier. En petit 1, les groupes Lyrian de K62 Lyr, dans la Lyr, hein, système. Petit 2, groupe Altairan d'Aquila. J'en remettrai de toute façon sur la photo. Petit 3, Centaurien d'Alpha A, Alpha B et Proxima Centauri. Petit 4, les Humites de Wolf 424. Petit 5, K-Il d'Eridani. Petit 5, les Syriens de Canis Major. Petit 6, 7, Vegan de la Lyre. Petit 8, enfin petit 8, le Pléiadien. Et 9, Tocétien de Cétus. Pourtant, il y a un médium qui m'a dit, toi, t'es en connexion, parce que je pense à mon boulot, tout ça, comme je dis souvent, hein, j'espère que j'ai retrouvé ma branche d'avant, quoi, dans les collèges, au lycée. Il m'a dit, toi, t'es en connexion, alors peut-être que c'est pas bon de le dire, je vais pas dire qui son nom, mais beaucoup plus en connexion, moi, avec les... Moi, hein, parle de moi, un médium qui m'a dit ça, et puis c'est pas quelqu'un de... J'ai ressenti énormément de choses, c'était tellement bien avant de dormir. Moi, je suis plus en connexion avec les Andromédias. Oh, bon, c'est pas la première fois qu'on me dit ça, en plus. Après, voilà. Bon. La vie humanoïde dans cette galaxie a d'abord été introduite dans les systèmes stellaires d'Iran par de mystérieux êtres extradimensionnels dans le cadre d'une supracivilisation intergalactique. Ils sont également appelés les fondateurs et sont supervisés par un groupe, les Neufs. Encore plus mystérieux, les Neufs, également appelés dans certaines cultures les Anciens de Lumière, sont des entités intemporelles supraplasmiques faites de pure conscience. Parmi les diverses espèces de cette culture intergalactique impliquées dans ces programmes d'ensemencement, se trouva un groupe important qui se nommait lui-même Pétale. Alors pas Pétale, Pétale de fleurs, hein, P-T-2-A-L. Hein. Leur nom a été donné à l'une de leurs créations qu'ils considéraient comme un accomplissement parfait, les Thals, nos plus proches cousins génétiques. Et pourtant, je vous ai lu sur les reptiliens, parce que c'est pas les reptiliens, notre ADN, hein, de Anton Parks, hein, très loin de nous, il n'y a pas que ça, parce qu'il y avait que ça, non, il n'y a pas que ça, comme race, bon, ça c'est pas possible. Il y en a d'autres, hein, qui sont inclus dans notre ADN, on va dire. Oui. Un fait intéressant est l'existence d'une base de données sous la supervision de ces êtres créateurs contenant les informations génétiques de toutes les formes de vie de notre galaxie, secrètement conservées dans un endroit sûr qui ne trouve même pas dans cet univers dimensionnel. La Fédération Galactique des Mondes y a accès lorsque le besoin se fait sentir de réensemencer une race qui a été exterminée pour certaines raisons. Il existe aussi bien sûr une section spécifique concernant toutes les espèces de notre planète au cas où quelque chose de malheureux arriverait à la Terre. Une sorte d'arche en quelque sorte. Surtout sur la Terre, il y a des arches. Hein, des arches en Ukraine, en Russie, comme par hasard. À côté de... Ça, j'ai dû le voir sur de programmes spatiaux et Tom 6, là. Ouais. Et en extraterrestre. À côté des triangles de Bermude, il y aurait une arche aussi. Hein. Bon. De nombreux systèmes planétaires de cette galaxie ont été ensemencés d'une vie humanoïde dans le cadre d'un programme de peuplement génétique, mais le premier endroit choisi fut le système MAN, M-A-N, que nous connaissons mieux aujourd'hui sous le nom de Kepler-62, dans la zone de la Lyre. À partir de là, un grand nombre de colonies se sont répandues dans la galaxie à la suite d'une attaque féroce de l'Empire Xakar à l'époque. L'ensemble de ces colonies et ensemencements humains ne peut être évoqué. En une seule image, nous nous concentrerons donc uniquement sur les cultures impliquées avec la Terre. Voici quelques conseils pour les différencier. C'est intéressant parce que bon, ça va rejoindre aussi le livre de derrière, hein, Le nom des étoiles. Voilà, vous allez voir les têtes, il y en a, ça va, mais il y en a d'autres. Toutes ces races sont décrites plus en détail dans Le don des étoiles. Voilà. Il ne s'agit donc ici que d'un aperçu pratique des principaux acteurs. Mais avant, je vous remontrerai quand même. Et toutes les races qu'il y a, hein, les Humites, les Syriens, les Pléiadiens, les Tocétiens, voilà. Ça, j'en ferai la photo, hein, évidemment. Voilà. Ok.
Les humides, ce soir, Jean-Pierre Petit en parlait. Les humides, je dois avoir un autre livre, je crois, je ne sais même plus où c'est. Mais bon, moi, je vais pas commencer à montrer 50 livres. Je montrais déjà celui-là, plus voilà, les deux autres derrière, puis voilà. Ceux de Elena. Et ce sera déjà très bien comme ça. Allez, c'est reparti. Voici quelques conseils pour les différencier. Toutes ces races sont décrites plus en détail dans Le Don des Étoiles. Il ne s'agit donc ici que d'un aperçu pratique des principaux acteurs. Alors, Centauri et Altaïr. Tous ces humanoïdes se ressemblent, à l'exception des Altaïr. Ah, c'est dur à dire, ces Altaïran, qui sont plus minces. En général, tous les extraterrestres nordiques sont semblables à nous, avec une peau pâle et des cheveux blonds ou blancs. Des cheveux. Mais il est assez difficile de les différencier les uns des autres à moins de connaître leur motivation. Les Altaïrans, Akori Alliance Humanoïde Société d'Altaïr, sont impliqués dans la cabale sur Terre et la flotte noire. La cabale, on sait ce que c'est, hein. C'est ce qu'on a chez nous aussi. Hein. De toute façon, ça continue. Hein. La continuité, hein, ils changent de trucs, de milices, mais bon. Akari, oh bref, je sais pas si on a compris encore. Akori et l'Alliance humanoïde d'Altaïr. Cette alliance regroupe des types distincts d'humanoïdes d'Altaïr Ran, parmi lesquels prédominent les Akori, originaires du système stellaire d'Altaïr. Ces derniers coopèrent également avec les Kilitokurt, fortement impliqués dans les enlèvements et les programmes d'hybridation, en coopération avec la pyramide, la flotte noire et les Nébus. Les Akori sont souvent, ou les Satanas comme il dirait Umberto Mignaron, sont souvent confondus avec les Telosi ou les Pléiadiens, mais n'ont rien à voir avec eux. Toutefois, les Akori sont extrêmement semblables aux Terran, les Terriens, par leur esprit d'aventure, de conquête et de pouvoir. Ils ne sont pas considérés comme dignes de confiance et sont régulièrement source de tensions. Les Akori d'Altaïr sont faciles à différencier des autres races humanoïdes. Ils ont la peau pâle, des cheveux blancs, des yeux bleus ou gris clair et ont la particularité d'avoir une structure osseuse étroite. Les traits de leur visage sont fins, leurs mâchoires anguleuses. Ils ressemblent davantage aux Kilitokurt, à la différence près que les Akori ont des fines oreilles. Les Akori n'ont pas les yeux noirs et sont plus petits que les Kilitokurt. Les Akori sont de taille humaine moyenne, je vous montre après. Les Centauriens, Sélo, Méton, Adar, Telossi font partie de la Fédération Galactique des Mondes. Alors, Telossi, ils sont originaires de la planète Solo, alphabet, Centauri 4. Les Telossi sont des humanoïdes de grande taille, à la peau et aux cheveux blancs. Leurs yeux sont bleus, verts ou gris. Ils font partie de la Fédération Galactique des Mondes, assistant l'humanité dans son évolution. Les Cellossi maîtrisent la science et la récolte de la force de vie universelle dans des cristaux. Ils sont la race mère de la colonie terrienne Telossi. Ils ressemblent aux Terran, terriens, et leur société et leur culture sont basées sur un esprit d'égalité et de justice. Ils promeuvent l'utilisation sage et responsable des sciences et de la technologie, ainsi que de la paix. La préservation de leur position neutre dans la diplomatie galactique. Il faut 12 heures pour se rendre sur Alpha Centauri 4 et deux fois par semaine, une navette relie les avant-postes de la Fédération dans les environs de la Terra au système centaurien. Leurs vaisseaux sont généralement argentés et discoïdaux. Les Telossi, alors ils sont originaires d'Alpha Centauri 4, planète Cello. Ce sont des êtres humains de grande taille, à la peau pâle et brillante, aux cheveux blancs et aux capacités télépathiques très développées. Leurs yeux sont clairs, allant du gris au bleu pâle. Ils utilisent des technologies psychotroniques impliquant des cristaux et de l'énergie universelle. C'est marrant parce que les cristaux, je pense tout de suite à... Oh, il y a eu un boom d'un seul coup, je sais pas, vous savez, boom. Bon. Les cristaux, je pense tout de suite, et justement, je pense à ça, au paranormal du 24 de David Garcia. Quand il fait sa ghost box, c'est des sortes de cristaux, hein, si je ne me trompe pas, donc, pour communiquer avec les défunts. Hein. Comme par hasard, ça se relie quand même un petit peu. Hein, bon. Oui, un petit peu quand même. Bon. Et de l'énergie universelle, les cristaux. Hein. Les Telossi sont une ancienne colonie Cellossi qui s'installe sur Terra avant la dernière période glaciaire. Leur civilisation s'étendait dans la zone de l'océan Atlantique et de ses rives.
Ce qui explique pourquoi ils ont migré vers le continent américain, l'Afrique de l'Ouest et l'Europe de l'Ouest après la destruction de leur terre. Alors là, je vous montre ça direct parce que là, j'ai tout. C'est pas fini, hein, d'accord. Ah là, la ressort bien, c'est beaucoup plus comme nous, hein. C'est l'aussi. Hein. Parce que là, ça fait bon aussi, mais ça fait plus les yeux, tout ça, c'est pas encore pareil. Non, regardez là, oui. Alors, c'est pas fini, évidemment. S'il y a un flou, ça va se remettre. Alors, ils se déconnectèrent de la Fédération Galactique des Mondes en migrant sous terre, donc intra-terre, hein, devenant la branche occidentale du réseau Agartan. Les Telossi se sont croisés sur les Terranes et leurs marqueurs génétiques se retrouvent régulièrement dans la population de Terra, pardon, de la Terre. Comme leurs cousins Celossi qui travaillent avec la Fédération Galactique des Mondes, les Telossi sont par nature bienveillants, enclins à aider l'humanité à se souvenir de son histoire ancienne, à l'aider dans son ascension et à améliorer sa santé et sa longévité. Les Télossiens sont les descendants d'une colonie de Silossi d'Alpha B du Centaure qui quitta Terra. Alors Terra, on dit Terra, c'est Terre, hein, pourquoi que bon. La Terre, il y a très longtemps, lorsqu'un cataclysme dû à une guerre interplanétaire anéantit la majorité de la vie sur la Terre, Terra. Cette colonie entra dans la clandestinité et développa un réseau de villes connu plus tard sous le nom de Royaume d'Agartha, se nommant eux-mêmes Télossi. Ils furent bientôt appelés Télossiens. Télosien, bon, en référence au terme grec telos, ah oui, l'extrémité, ça veut dire, vivant dans une paix relative avec les autres communautés de la Terre intérieure jusqu'à une époque récente. Les Télossiens se rendirent après une dure bataille contre l'occupant reptilien. Leurs villes furent capturées et Telos, leur capitale située sous le mont Shasta, devint du quartier général des envahisseurs Siakar. Les Telossiens s'entendirent avec les Nagas reptiliens pendant des milliers d'années, partageant des territoires souterrains, mais lorsque les Siakar revinrent de l'espace et subvertirent les reptiliens résidents, le destin des Telossiens fut condamné. Dal, Dahl, ça je vous montrerai après. Enfin, voilà. En plus, elles sont magnifiques parce qu'il y en a. Le visage, c'est comme nous, mais bon, c'est. Beta Centauri est comme Alpha Centauri, un système stellaire triple qui abrite une grande diversité de formes de vie dispersées sur 17 planètes. 17 planètes. Une colonie humanoïde Nor, N-O-O-R, de Lyra, s'y établit et prospéra, mais choisit de rester à l'écart des affaires de la galaxie. Ces derniers ont également choisi de ne pas rejoindre la Fédération Galactique des Mondes et de vivre en harmonie avec toutes les autres espèces de ces 17 mondes en tant qu'entité indépendante. Bah, ils font ce qu'ils veulent après. Voilà, c'est toujours pareil. Hein. Méton. Alors, le nom de leur planète en orbite autour de Proxima Centauri est Méton. Je crois que ça se dit comme ça, Méton. Ça m'étonnerait que ça se dit Méton, non? Ça m'étonne. Non, Méton. Et leur civilisation s'étend sur les 7 planètes de ce système stellaire. Les Métonies. Bah oui, appartiennent au groupe Liran Nord, alors pas Nord, hein, là où j'habite, hein, 59, hein. N2OR, grand blond à la peau claire, avec un front légèrement plus large, leur durée de vie, ah oui, alors là, ah bah, tout de suite, je sais pas, j'ai vu Jésus parce que j'ai vu leur vie atteint près de 2000 années terriennes. Parce que 2000, l'an 0, je veux dire, bon. Et leur durée de vie, je m'en souviens plus, hein, atteint près de 2000 années terriennes, 2000 ans. Hein. Les Métonies voyagent par curiosité scientifique. Voilà. Et c'est ce que je disais encore hier dans le. Je sais plus si c'était dans la vidéo que j'ai balancée hier, c'est peut-être une autre que j'ai faite entre deux, ouais. Bah, j'ai pas encore montré cette vidéo-là. Peut-être que j'en montrerai demain, je sais pas. Comment il s'appelle? Eric Zurcher, qui disait que souvent, ils sont des collègues d'herbe, hein, les extraterrestres. Gris ou ce que tu. Enfin, il y a tellement de races. Ils sont juste là pour visiter la Terre. Après, ils s'en vont, quoi. Là, ils font des petites collectes ou ils prennent une poule ou je sais pas quoi pour faire des. Bon. Après, ça dépend des races. C'est toujours pareil. Eux, c'est par curiosité scientifique. Vous voyez, les Métonies voyagent. Bon. De nombreux Métonies travaillent à la station de la Fédération Galactique en orbite de la Terre. Je vous montrerai tout de suite. Dal, j'aime bien la tête de. Elle est magnifique. Hein. Les autres aussi, mais. Est-ce que c'est un beau. Je sais pas, je me demande si c'est une femme ou. Ah, parce que ça paraît androgyne aussi en même temps. Mais bon, hein. Oui, je pense.
Ouais, parce que l'autre en dessous, ouais, si, si. Voilà, magnifique. Dalle, j'aime bien cette tête-là, mais. Magnifique. C'est marrant, c'est des Télosiens. Tu regardes bien la tête, ça fait penser un petit peu à. Enfin, c'est pas par méchanceté, hein, c'est une Dion. Sur le coup. Bon, alors. Les humites. Qui vont rire, c'est sûr. Ils sont de type nordique, principalement blonds, grands. Mais ce qui les rend uniques par rapport aux autres extraterrestres de type nordique, c'est leur front haut et prééminent. Voilà, y a un truc prééminent comme moi, hein, comme moi, c'est à peu près la même tête. Ils font partie de la Fédération Galactique des Mondes et leur uniforme est blanc. Leurs yeux sont de la même proportion faciale que les yeux des humanoïdes terriens. Ah oui, donc pareil. Distance, parce que là, entre les deux yeux, c'est pareil. C'est un œil. Hein. Tac, tac. Hein. C'est pour ça que quand je fais mes dessins, c'est souvent beaucoup de visages, tout ça. J'aime bien en plus. Comme par hasard, c'est que des têtes qu'on voit là. Hein. Ou des mains, souvent. C'est très compliqué à faire, les yeux, tout ça. C'est vrai que. J'adore toujours faire ce style là. Bon, après, voilà. De type nordique, c'est leur front haut et prééminent. Ils font partie de la Fédération Galactique des Mondes et leur uniforme est blanc. Leurs yeux sont de la même proportion faciale que les yeux des humanoïdes terriens. Leur espérance de vie est d'environ 200 ans. Alors là, c'est pas 2000, c'est 200. Ben, alors déjà 200. Hein. Les humites travaillent activement avec la Fédération Galactique des Mondes sur des programmes de coopération avec les terriens. Des Tau-Cétiens. Alors. Ouais, magnifique, si c'est une femme, oh oui, magnifique. Les humanoïdes originaires de ce système stellaire, les Aramani, ont la peau brune et les cheveux noirs. Mais on trouve aussi des colonies d'Aïl et de Nourri, tous sont membres de la Fédération Galactique des Mondes. Aramani, ils viennent de la planète Araman. Leur nom atteste l'origine d'Iran. Aramani, dans l'ancienne langue racine commune, l'Iran signifie les hommes exilés. Alors donc c'est un bonhomme. Alors ben, je sais pas, c'est tellement, on dirait, ça fait, je sais pas, ça fait, ouais, ça fait plutôt androgyne, je sais pas. Depuis Tau-Ceti, ils envoyèrent également une colonie de sur Ellipson. Ben, c'est beaucoup de femmes, c'est ça qui est marrant. Parce que, depuis Tau-Ceti, ils envoyèrent également une colonie sur Ellipson Eridani. Les Aramani sont des humains à la peau bronzée d'une taille d'1,50 m, aux oreilles légèrement pointues, aux cheveux foncés et à la forte musculature. Ah ouais. Ils descendent génétiquement de la race Lirantal. Ils développèrent une civilisation équitable dont les principes sont basés sur la justice. Ils ne s'intéressent à Terra, à la Terre, que par curiosité scientifique. Ouais, souvent c'est ça. Et par devoir envers la Fédération Galactique des Mondes, à laquelle ils sont affiliés, en alliance avec les Pléiadiens et d'autres sociétés victimes de collectifs reptiliens, et collaborent à l'établissement d'une défense commune contre leur ennemi reptilien. Ael Enor, deux colonies Liran d'humanoïdes de grande taille aux cheveux blonds ou roux, membres de la Fédération Galactique des Mondes, impliqués dans des programmes de collaboration scientifique sur Terre. Ce que je disais tout à l'heure, hein, souvent c'est ça, hein, ça rejoint le livre de, je vais pas remettre, mais j'en ai deux en plus, les deux tomes de Eric Zurcher, les apparitions mondiales d'humanoïdes. Souvent ils font des, ils viennent sur Terre, c'est juste par un truc scientifique, des collègues d'air, où ils font des petites collègues, je sais pas quoi. Enfin, voilà. Après ils s'en vont. Après ça dépend, hein, les races. Hein, après, bon, il y en a qui s'enlèvent, il y en a qui, voilà, c'est encore autre chose. Alors. Mais généralement c'est, ouais. Epsilon Eridani, c'est pour visiter par curiosité, hein, voilà. Epsilon Eridani, Kaïl. Ils sont originaires du système stellaire Epsilon Eridani, de type nordique semblable aux terriens, faisant partie de la Fédération Galactique des Mondes. Les Kaïl sont une colonie à El Liran, installée sur la première planète. Amaka, civilisation pacifique jouant un rôle actif dans la Fédération Galactique des Mondes. Ce sont des humanoïdes à la peau claire, aux cheveux longs, de différentes couleurs, même si la race à elle, originelle, est uniquement blonde. Et de toute façon, quand il y a des extraterrestres qui visitent, il n'y a pas que la Terre, hein, il y a tellement de. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. Et oui, il n'y a pas que nous. Hein, nous, c'est une infime partie, quoi. C'est rien du tout. Voilà, c'est.
Ouais, Zumite, alors, la proportion des yeux faciale, c'est les mêmes que chez nous, hein, je veux dire. Les terriens, quoi, humanoïdes. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances avec nous, donc faut pas dire l'inverse. Il y a aussi magnifique, là. Blond ou roux, là. Ah, c'est. Un visage incroyable. Incroyable. Après, ça dépend des races, c'est toujours pareil. C'est. Oui. Alors, c'est pas fini. Les Kyle importèrent avec eux la subtilité de la culture Aelniran. Avec son système éducatif, ses castes, sa spiritualité et ses connaissances scientifiques, notamment en génétique, en raison de leur ressemblance troublante avec l'espèce Terran, Terrien, nous, hein, bah oui. Les Kha'il infiltrèrent la société Terran comme base de travail pour la Fédération Galactique des Mondes. Sirius. Les races de Sirius sont très diversifiées dans ce système stellaire triple. Nous devons surtout. Bah oui, parce que ABC. Nous devons surtout connaître les THQRU de Sirius B. Ils ont une peau pâle, des cheveux clairs, une taille plus petite et ont un visage triangulaire et de grands yeux bridés. Ils sont membres de la Fédération Galactique des Mondes. Les THQRU sont le fruit d'un croisement, alors, entre les Tali et les Gris locaux. Les Gris, hein. Afin de s'adapter aux conditions environnementales. Leur culture est orientée vers la science et la technologie, et certains d'entre eux occupent des postes élevés au commandement galactique Ashtar. Sur quatre des mondes de Sirius B, les humanoïdes THQRU cohabitent avec toutes sortes de reptiliens et d'hybrides. Impliquant des arrangements diplomatiques complexes, notamment un partage de technologies. La technologie THQRU en matière de construction a inspiré de nombreuses autres races de la galaxie, comme le maintien de la vieille tradition l'Iran, d'inclure la nature en proportion égale dans l'urbanisme. Le regroupement des habitats par district est plus que tout les matériaux de construction qu'ils ont été les premiers à inventer. Il s'agit d'un matériau extrêmement résistant à une large gamme de radiations, adapté par la suite par de nombreuses autres cultures à travers la galaxie. Translucide d'un côté et opaque de l'autre, comme pour tous les Lirans, le régime alimentaire des THQRU est végétal. Les THQRU sont impliqués de trois manières différentes avec la Terre en tant que membre de l'infâme collectif Ashtar, en tant que membre du bienveillant Ashtar Galactic Command ou en tant que membre de la Fédération Galactique des Mondes. Aldébaran, ou Aldébaran, bon. En plus d'une colonie bien connue d'Anunnaki impliquée dans la flotte noire de l'Antarctique, alors Anunnaki, quand je pense à Anunnaki dans son livre Don des étoiles qui est derrière, j'ai carrément l'impression de voir le film Prometheus de Ridley Scott. Et ce qui est dingue dans l'histoire, c'est que Elena Danan, et je suis, bah, de toute façon, je la croirais pas, elle a dit qu'elle n'a jamais vu le film-là, Prometheus, qui sortit en 2012. Hein. C'est le film qui se passe avant le film Alien, c'est simple. En plus, c'est deux fois le même réalisateur, Ridley Scott. Bon. Elle était, je sais pas, quand j'ai montré l'image, j'ai dit, si, c'est carrément le même visage, le même que dans le film. Quoi. À part quelques détails près par les vêtements, et puis il est grand aussi, il fait 2,50 m. Donc, c'est un truc de fou, quoi. Comme quoi, souvent, on se demande comment ils ont leurs idées dans les films, ou par télépathie, par je sais pas quoi, ou alors les guides, c'est pas possible, il y a quelque chose. Hein. Une autre dimension, une matrice, je sais pas. Il doit y avoir quelque chose. Hein. Aldébaran, en plus d'une colonie bien connue d'Anunnaki impliquée dans la flotte noire de l'Antarctique, le système d'Aldébaran abrite une culture discrète, les Jadaï d'Aïl, oh là, colonie à elle de Lyra, ils sont grands, à la peau et aux cheveux clairs. Les Jadaïal-Il participent discrètement aux opérations de la Fédération Galactique des Mondes. Alors, Jadaïal d'Aldébaran. Les Pléiadiens. Ah, voilà. Colonie de Kepler 62. Alors, K62, l'Iran. Intéressant pour nous ce qui concerne ces deux systèmes stellaires qu'ils ont terraformés parmi d'autres. Taygeta, Fédération Galactique des Mondes, Eraël, race à elle de la planète Hera, grand blond à la peau claire, musclée, se distinguant des autres types nordiques par des pommettes hautes et des yeux plus grands et bridés. Cheveux blonds à brun clair et leurs yeux peuvent être bleus ou verts, uniforme bleu clair, col et poignet noir, ceinture dorée, bottes noires.
C'est marrant celle-là parce que une allure vraiment voyage triangulaire, ouais. Encore une fois, si vous regardez tous ces rastas, elles ressemblent beaucoup, hein. Je suis désolé, mais si, c'est Aldébaran, oui, les Pléiadiens, oui, bon, on va parler. En plus, c'est même un côté asiatique, les Pléiadiens, leurs yeux un peu bridés, là. Oui. C'est quand même incroyable, quoi. C'est pas fini, évidemment. J'espère que le flux va partir. Alors, race très spirituelle, alors là c'est toujours pareil, les Pléiadiens, excusez-moi parce que. Voilà. Race très spirituelle, cultivant les arts au service de la paix intérieure et de l'ascension spirituelle, telles que la musique éthérée, la danse, les arts visuels et l'amour. Ils occupent de nombreux postes importants au sein de la Fédération Galactique des Mondes, principale colonie. La plupart des colonies d'Aïl font partie de la Fédération Galactique des Mondes, dirigée par une grande présence des Eraïl. Ils entendirent leur race très largement dans toute la galaxie, mais je ne citerai que les colonies prédominantes. Procyon, Terra, Vénus, ça je vous montrerai. Hein. Vega et bien d'autres encore. Bon. Tal, planète Témar. Alors, type caucasien, souvent. Bon, c'est carrément nous, c'est pas possible. Souvent avec des cheveux foncés, uniforme argenté, race sœur des Haïl, les Talis présentent une plus grande diversité de couleurs de peau, d'yeux et de cheveux. Les Talis sont en sont un peuple pacifique et spirituel, avec un code d'éthique strict qu'ils respectent avec une telle implication personnelle qu'ils peuvent souvent être pris pour des êtres froids et dénués d'émotions. Nour, alors. N2OR, race plus grande partageant les mêmes caractéristiques que les Aïls. Les nourris sont de très grande taille et ont une forte musculature. Une forte musculature, ils ont des yeux bleus, verts ou gris clair, des cheveux blonds à roux et roux, et une peau claire et très sensible. Participation active à la Fédération Galactique des Mondes. Alcyone, groupe de Renégats Tal de Témar, système Taygeta, ayant migré vers le système Jaya, Alcyone. Après une querelle avec les Eraïl, trompeurs et manipulateurs, ils se rebaptisèrent Tal Shiar et leur planète des Taliara. C'est presque Sahara. Ils essayèrent de construire leur propre petit empire et contrairement à leurs frères Taygeta, ils ne rejoignirent pas la Fédération Galactique des Mondes et s'allièrent au contraire aux infâmes collectifs Ashtar et Altaïr ainsi qu'avec les Nébus d'Orion. Ils sont impliqués dans les méfaits de la Cabale, bon. Et de la flotte noire sur Terre, la Terre, hein, et constituent une honte pour les races humaines. Ils ont également offert une planète dans le système d'Alcyone à une présence reptilienne en échange de leur protection. Vega, différentes races se partageant sur ce système planétaire, il abrite 12 planètes, toutes colonies. Adari, colonie de réfugiés Tal du système Liranman, ils migrèrent sur la première planète du système Olmécan, Adara. Leur peau évolua vers le brun avec des nuances bleutées et cause du rayonnement de l'étoile, mais ils gardèrent les yeux cristallins, taillis de l'espèce humaine. Ils adoptèrent le mode de longue robe au col haut et aux larges manches, caractéristiques du système Almécan, Vega. Et de ses habitants, les Adari eurent un apport sur Terre, dans la région de l'Inde, où ils installèrent temporairement une colonie rapidement chassée par les Siakars, dans un conflit féroce. De toute façon, quand tu vois l'Inde, ce sont les plus beaux temples au monde, pour moi, et c'est ce qu'il disait Daiman dans son livre, son livre que j'ai, L'autre Terre des Dieux. Là. Et moi, je dis qu'il a raison, les plus beaux temples au monde, c'est en Inde. Tout ce qui est hindou, je trouve que c'est encore plus beau que. Ils sont tellement complexes, ultra complexes même. Je trouve même qu'ils sont encore plus beaux. En Inde, il y a tellement de temples incroyables. Quoi. Alors, comme par hasard, alors, on parle de races, hein. Ce qui est pas étonnant. Hein. Les Adari eurent un port sur Terre, dans la région de l'Inde. Je trouve que c'est les plus beaux temples au monde, oui. Pour moi, oui, c'est en Inde. Après, il y en a comme peut-être dire en Égypte, ce que tu veux, ou en Chine, je sais pas quoi. Non, pour moi, c'est. Après, voilà. Pérou, je sais pas quoi. Pour moi, c'est en Inde. Les Adari sont aujourd'hui appliqués dans les programmes de la Fédération Galactique des Mondes pour protéger la Terre, Terra. Déjà. Là, franchement, on dirait vraiment chez nous, ça. Ça, c'est un truc de fou. Et les yeux cristallins, vous imaginez?
Incroyable. Ça, j'en ferai les photos. T'en as encore qui sont encore aux petits hommes verts et puis la soupe aux choux puis Chewbacca. En France, hein, même, oui. Ou les ovnis, les boulons. Bon, au bout d'un moment, je passe à autre chose parce que j'en ai au-dessus de la tête. Moi, je pense qu'il faut passer bien au-dessus de ça, comme les programmes spatiaux secrets, comme les mythes de Randrée sur Mars, hein, ça aussi. Faut oublier que ces livres ont été censurés plusieurs fois aussi. Voilà. À partir de là, tu comprendras peut-être mieux comment t'es manipulé, je pense. Alors, si tu commences à partir, parler de tout le reste, tout ce qu'il y a eu avec le confinement et puis tout, politique, alors là, c'est. Bon, on n'a pas fini. Elvar, colonial sur la troisième planète, Nevak Nord, culture pacifiste. Elvar. Puxiti, colon, l'Iran, nourri aux cheveux rouges, vivant sur la quatrième planète, Ozma. Ils visitèrent la Terre, Terra, où ils se croisèrent génétiquement avec la population locale. La Terre, hein, donc il n'y a pas que les reptiles, hein, c'est ce que je dis tout le temps, l'ADN, etc. Ils furent parmi les différentes cultures extraterrestres qui visitèrent la Terre durant son histoire. Identifiés aux légendaires géants roux, ah oui, ils eurent une influence sur les développements de plusieurs cultures d'Amérindiens. Voilà. Hein. En plus, j'en ai fait beaucoup de vidéos avec les Amérindiens, tout ça, puis j'ai encore des vidéos à sortir là. Du sud et du centre de l'Amérique et laissèrent de nombreuses traces, notamment le nom de leur étoile, Olmeca, dont on se souvient comme du peuple de l'étoile Olmec. À une époque, alors Olmec, d'accord. À une époque, plus de 2000 membres de cette race vivaient parmi les humains de la Terre, Terra, avec nous. Ils partirent lorsque les tensions territoriales s'accrurent, laissant 25 des leurs pour guider les Terranes. Magnifique aussi. Hein. Ah, c'est marrant. Après, c'est. Oui. Alors, les grands blancs. Les grands blancs. C'est un Paul requin. Hein. C'est un point important à mentionner en raison de la confusion qui entoure. Alors, c'est Charles Hall. Je crois qu'il a vu les grands blancs. Ouais, pas que lui. Charles. Hall, H-A-2-L, il me semble. Dans les années 60 ou 50, 60, je dirais, 60, 70, 60 plutôt quand même. Bon, je pense qu'il n'y a pas eu de clé, non. C'est un point important à mentionner en raison de la confusion qui entoure cette dénomination. Et Hall White, ouais, bah c'est ça, ça doit être Charles Hall. Charles, hein, s'écrit Charles Trenet ou Charles de Gaulle, bon, Charles Hall, H-A-2-L. Il existe en effet différentes races qui ont été nommées Hall White ou Grand Blanc. Car elles répondent à toute cette description. Elles sont toutes plus grandes que les humains ordinaires et ont une peau très pâle, des cheveux blancs ou blonds, voire pas de cheveux du tout, qui peut donc être qualifié de grand blanc. Les Kilitokurtes, espèce de gris qui, de la constellation Véla, douée par le métamorphisme. Une chose qu'ils ne leur peuvent pas changer, c'est la noirceur de leurs yeux. Mais certaines sous-espèces hybridées avec des humains pallient cet aspect physiologique. Ils sont très grands et très maigres et leur peau est d'une pâleur de mort, blanc-gris bleuté. Leur visage est allongé et étroit, semblant un peu écrasé. Les Kilitokurtes peuvent porter de longs cheveux blancs, bien que les hybrides aient les cheveux noirs, le crâne des mâles est plus grand. Ils ne sont pas amicaux, ils travaillent dans la zone 51 et avec la flotte noire. Bien qu'ils fassent partie des Nébus par intérêt, les Kilitokurtes sont une culture spatiale et commerciale indépendante. Ils possèdent de grands vaisseaux triangulaires noirs, bah c'est ce qu'a dit Nanan, et pratiquent des enlèvements à très grande échelle, des enlèvements extraterrestres, enfin des enlèvements d'humains. C'est ce qu'a dit Elena d'un an. Dès que tu as des vaisseaux triangulaires ou rectangulaires noirs, tu peux être sûr qu'à l'intérieur, pratiquement, c'est des êtres néfastes, hein, extraterrestres. Voilà. Et si je me trompe pas, c'est elle qui avait dit ça dans un livre, je sais plus si c'est celui-là ou un autre. Émerter, grands êtres pâles de Tosseti à la génétique des gris. Encore une fois, encore des hybrides et des hybrides et rehybridés. Mais à l'apparence humaine, ils sont très beaux et élégants. Sages anciens, les émertères sont d'un calme paisible. Lorsqu'ils sont de la même pièce,
Dans la même pièce, on sent qu'on n'a plus envie de parler, on respire moins fort et on sourit paisiblement. En présence des émertères, on se sent en sécurité. Ils sont l'une des races fondatrices du Conseil des Cinq. Ils ont deux castes sociales et celles qui nous intéressent sont les émertères royaux, de magnifiques êtres élancés. Anunnaki, voilà. Basé dans la constellation du Bouvier, les systèmes stellaires de Sirius B et d'Aldébaran, ils ont des colonies partout dans cette galaxie et ne reconnaissent l'autorité d'aucune structure, sauf celle de leur empire, Anak. Ce fait est dû à leur individualité car les Anunnaki ne sont pas originaires de ce plan dimensionnel. On les appelle parfois les Grands Blancs, en raison de leur corps élancé à la peau grisâtre et pâle. Ils n'ont généralement pas de cheveux. Alors, blonde, Akori, ça c'est intéressant, mais ça va l'éviter à vous faire voir. Humite, Wolf 424, oui. Aldebaran, Naki, ouais, Harmony, Tal, Ael, Kilitokurt. Ah, Kilitokurt, t'as les yeux noirs, mais c'est ouf. T'as pas de pupille, c'est pas possible, c'est tout noir les yeux, c'est comme s'il n'y avait pas de blanc autour. T'es Hkeru, Sirius B. Par ça, il y en a quand même beaucoup qui nous ressemblent. C'est que des femmes, hein, pratiquement. C'est marrant, tous les dessins que je fais, c'est beaucoup de femmes aussi. C'est quand même assez curieux. Tal White. Vénus, ah, elle, si vous regardez bien. Zone 51, qui est au Kurt, mais de toute façon, ils sont pas sympas. Les yeux noirs, on voit même pas, c'est tellement que c'est. Blonde Aïr. Magnifique. Humite. C'est pas fini. Ou presque, je crois. Ah bah si. Alors, meilleur marchand dans la course sécurisée d'un vaisseau éclaireur, salle des machines, salle de repos, magasin de storage. Je mettrai quand même l'image. Mais... Après, c'est autre chose. Information et témoignage sur les vaisseaux spatiaux extraterrestres. Je ne sais pas si je vais. Si, ça peut être intéressant. La propulsion, tout ça, ça peut vous intéresser énormément. Et moi aussi, d'ailleurs. Petit vaisseau de patrouille. Très intéressant aussi, ça. Dans ces différents systèmes de propulsion antigravitationnelle, les champs de torsion perpendiculaires contiennent soit l'habitacle, soit sont contenus dans différents endroits à l'intérieur du vaisseau. Autre système de propulsion antigravité à champ de torsion. Ça, c'est fascinant aussi. C'est les vaisseaux, comment ils sont constitués, comment ils sont faits, comment ils sont fabriqués, quoi, tout simplement. Ça, je trouve que c'est fascinant aussi. Plan coupé d'un vaisseau éclaireur. Toroïde extérieur, toroïde intérieur, plasma ou frille, cœur d'énergie. Voilà, c'est pour ça qu'il passe largement toutes les dimensions. Voilà, ça dépend lesquelles. Collecteur d'énergie. Deux. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Deux colles. Je sais pas ce que je vous promets. Un colis opposé. Bon. Propulsion, moteur, etc. Ça peut être intéressant aussi. Je pense que je vais faire. Ouais, ça peut être intéressant. Oh oui, si. Bon, à la fin, il y a des magnifiques images, mais je ne vais pas montrer tout. Ce sont tellement magnifiques. Ouais, après, c'est parti pour la fin. Ah, ça, c'est bien, c'est l'organisation galactique. Ça peut être intéressant aussi. Un message des visiteurs des étoiles. Ça, c'est bien, ça. Principaux groupes humanoïdes. C'est classé par magnifique. Oh, je verrai bien, il y a tellement de choses, je m'en souviens même plus qu'il y avait.
Ouais, peut-être j'en ferai encore une vidéo, je sais pas, je vais voir. Je vais voir. De toute façon, il y en a encore deux autres que j'ai pas avancé. Allez, je coupe là. Merci. À bientôt. Et puis demain, je vais sûrement balancer une autre vidéo. Et après, ce sera pas avant ce week-end, peut-être dimanche soir, je sais pas quand on monte comme ça. Allez, je coupe. Merci. À bientôt. Magnifique. Ouais, genre, c'était Umberto Minaro, j'avais regardé sa dernière vidéo, je crois, ou l'avant-dernière. Oui, parce que bon, ce qu'il disait à la télé, là, le top 50 là, des personnalités préférées, bon, ça m'a fait rire parce que c'est vrai que il n'y avait qu'une seule personne qui était en politique, je crois que c'est Jordan Bardella, si je ne me trompe pas. Une seule. Dans le top 50, c'est la seule. Je crois qu'il était 30e. Ça veut dire que les gens, tous les autres, se sont moins derrière. Ils en ont pas rien. Voilà. Bah, si, c'est que ça veut dire. La politique, je pense qu'au bout d'un moment, bah, vous avez pas vu tout le cirque, ce qui se passe à l'heure actuelle. Franchement. Et moi, ça fait des mois que je dis des agriculteurs, des mois et des mois, c'est pas un an. Je dis souvent dans les vidéos, et c'est maintenant qu'on en parle. Je voyais déjà tout ça avant. Alors, je ne vais pas dire que je suis médium, mais je le sentais déjà. Et comme par hasard, on en parle seulement dans les agriculteurs. C'est quand même assez... en plus, c'est le métier en France, je veux dire, même en Allemagne, ça j'ai vu, où il y a le plus grand nombre de suicides. Hein, c'est le métier en première position. Ah, et on en parle seulement maintenant. Et donc, ça fait des mois que je le dis dans mes vidéos, j'avais déjà dit là, il y en a plusieurs mois de ça. Enfin bref, de toute façon. Hein. Ah, que voulez-vous, je ne sais même plus quoi dire. Et puis après, c'est à nous à s'élever, hein, évidemment, spirituellement, à nous éveiller. C'est tout un truc. Hein. Avec, on est tellement manipulé de A à Z, de toute façon, sur plusieurs trucs, plusieurs. Toujours pareil. Que... Allez, nous serons toujours là, Elena Danan, prévasse par Laura and the World. Rencontre avec Galtor et voyage au-delà de la Terre. Et j'adore ce livre, il est fascinant. Voilà. Et les deux autres derrière, j'en mettrai une. Hein. Je vous ferai toutes les photos de toutes les races. Là, puis voilà. Mais normalement, il y a beaucoup plus de races dans l'autre. Hein. Là c'est la panoplie. Hein. C'est tellement magnifique. Je peux vous montrer, mais bon. Ah bah si, je commence à remontrer la Nunaki comme le film, mais bon, j'aurais pas fini. Je sais même plus où il est, il y a les Men in Black, les Draco. Il y a de tout, et c'est un truc de fou. Quoi. Ah bah il est beau aussi celui-là, hein. Il est magnifique. Il est réussi celui-là. Ah c'est bien, ça donne pas envie de serrer la main. La Nunaki, je sais plus où c'est, je vais pas commencer à rechercher. Bon, il fallait que c'était rock, quoi. Ah bah si, je viens de la voir juste derrière. Voilà. Anunnaki. Voilà. Si vous n'avez pas vu le film Prometheus, moi je dis rien, mais là, il y a... à part les vêtements, bon, le vaisseau, il est pas... C'est quand même assez hallucinant. Voilà, etc. Voilà, c'est pas mal non plus. Même ceux qui sont peut-être néfastes, ils ont des vaisseaux incroyables. Et là, alors c'est pareil. Cette race-là, Negu, alors, je sais pas si on dit Negumak, Gnomopo. Vous avez vu le film Independence Day? Surtout le 2, parce que le 2, bon, c'est pas le meilleur, c'est surtout le 1, mais bon, le 2, encore ça passe. Je me suis retapé pourtant une sorte de grande reine à la fin du film, là. Avec l'acteur Jeff Goldblum, ouais, la mouche, là. Au passage, Jeff Goldblum. Voilà, alors là, je suis désolé, mais quand je vois ça, c'est carrément ça. Alors, je sais pas quoi dire. Bon, on se demande où ils ont leurs informations. Je parle pas de Elena, mais de ceux qui font des films. Alors, il y a un moment, je pense que là, c'est vraiment c'est tellement fort que tu te dis, c'est plus rien. Alors, il y a un gros problème, mais oui. Eh oui, mais là, on n'est pas dans un film de science-fiction, entre guillemets. Hein. Non, voilà, c'est ça la différence avec des livres comme ça. Bon. Eh oui, ça, il faut se mettre ça dans la tête aussi.
Là, c'est des films. Ça reste des films, point barre. C'est ça le truc. Alors, je coupe là. Merci. À bientôt. D'ici demain, parce que je pense que je rebalancerai une vidéo demain. Là, il est 10 h. Après, je commence à être fatigué avec le boulot, là. J'irai sûrement me recoucher pas trop tard. Je sais même pas à quelle heure je partage la vidéo. Peut-être qu'elle sera 11 h, minuit, j'en sais rien. Après, dodo, parce que je suis claqué, ça. Bah, puis, peut-être ça. J'en téléphonerai au médium, là, bientôt, bah, demain. Mais me fait un grand bien. Je voyais des trucs incroyables dans ma tête. Des images incroyables, une boule de lumière. Il m'a fait voyager, il m'a fait. En plus, c'est marrant, on était en connexion directement. Mais vraiment, c'est marrant, tous ceux que je connais, et autour, il y avait des andromédiens qui tournaient autour, comme s'ils dansaient. C'est ce que j'ai vu, hein. Ça dure longtemps dans ma tête. Je l'ai encore maintenant quand je vous parle. Et c'est marrant, tous les gens que je connais sur mon portable, pas tous, mais qui sont en rapport avec l'ufologie, sont tous à quelque chose de spécial. C'est quand même incroyable. Voilà. C'est pas un hasard, il n'y a pas de coïncidence. Pratiquement tous. Après, le reste, c'est la famille, tout ça, ou des amis comme ça. Oui, du boulot, ça, bon, là, c'est autre chose. Mais ceux que je connais souvent dans l'ufologie, ils ont quelque chose d'extraordinaire. Je sais pas quoi vous dire, mais comme par hasard, je les connais comme si c'était une connexion directe, quoi. Il n'y a pas de hasard, hein. Ça, c'est pas possible. Pour moi, une coïncidence comme ça, ce n'est pas possible. Voilà. Ça, c'est. Je devrais jouer au loto, hein, par moment, je sais pas. Bon, allez, je coupe là. Merci, à bientôt et à demain. Certainement avec une autre vidéo qui est déjà faite depuis quelques jours. À plus, merci et merci encore à Elena Danaro. J'ai encore 2 vidéos à balancer. Je verrai plus tard, pour maintenant, une semaine ou deux, ou plus. Allez, à plus, merci.